de pouvoir accueillir Eric et Rachel Dufour. Je propose qu'on les applaudisse bien fort pour les accueillir chaleureusement dans notre région. Plusieurs d'entre vous les avez peut-être déjà vus virtuellement dans des cours pour couples. Au Top Chrétien, vous avez vu leur visage, entendu leur voix ou lu leur message. Et puis, dans la région, ils sont venus pour vivre avec nous un séminaire pour couples. Et peut-être, quels sont les couples qui sont dans la salle, qui ont été encouragés par ce séminaire? Est-ce que vous êtes d'accord juste de vous lever pour voir est-ce qu'il y a des gens, des couples qui étaient au séminaire, qui ont été encouragés? Trop bien! Trop bien! Bravo! Merci de vous être levés. On a vécu plusieurs jours maintenant, depuis vendredi soir jusqu'à cet après-midi. Une réflexion, on a demandé à Dieu de nous montrer son plan pour le couple, pour la sexualité aussi. Et c'est le charisme, ils ont beaucoup de charisme, mais c'est le charisme fort que Dieu a donné à Eric et Rachel. Rachel, on va l'inviter à présenter deux livres. Ce sont des livres concernant les femmes, concernant la sexualité et la grossesse, mais c'est aussi pour les hommes. Et moi, j'ai eu le plaisir de lire un de ces livres, pas les deux, mais un. Et j'ai trouvé magnifique. Alors Rachel, s'il te plaît. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors oui, je vais vous présenter mon premier livre, Hourra pour le Vajayjay. C'est un livre que j'ai écrit en pensant à vous, en fait. Je l'ai écrit comme une conversation autour du sujet de la sexualité, pour parler sans tabou d'un sujet qui, je crois, tient au cœur de Dieu, parce que c'est lui qui a inventé et créé la sexualité. Donc avec des mots tout simples, en fait, je vous invite à une conversation avec moi pour que vous puissiez découvrir, redécouvrir, apprendre à transmettre. Alors ce livre, il est pour les femmes célibataires, pour les femmes mariées, pour les maris avec les femmes, le mari avec sa femme, pour les hommes qui se posent des questions, pour les parents qui se demandent comment parler de sexualité à leurs enfants. C'est un voyage dans la vie des femmes et de leur sexualité. Très facile à lire, c'est comme si vous preniez une tasse de thé avec moi. Donc je vous invite à me retrouver dans le livre, en fait. Et puis le deuxième livre que je voudrais vous présenter, c'est « Ma grossesse avec Dieu ». Je l'ai co-écrit avec Karine Amorin, elle a fait un travail formidable pour accompagner la grossesse, la maman, le papa dans la grossesse et accueillir cet enfant dans les meilleures conditions du monde. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup, Rachel. Juste pour vous dire qu'on a eu un petit souci avec la douane. En fait, il y a les livres qui sont restés à la douane. Donc ce soir, c'est un exemplaire unique, mais il n'est pas à vendre parce qu'il est à nous, en fait. Par contre, vous pouvez faire une précommande si vous êtes intéressé à Diapason, qui est là ce soir, et mettre votre nom. Et quand il arrivera, vous serez informé. Et vous pouvez aussi recevoir une petite page blanche. Et Rachel se fera un plaisir de vous le dédicacer sur la page blanche que vous pourrez glisser dans le livre une fois que vous l'aurez reçu. Voilà. Eric et Rachel sont pasteurs, ils sont missionnaires, ils sont thérapeutes, sexologues. Ils ont un long parcours, comme il a été dit, international, d'encouragement, d'accompagnement de personnes. Et puis c'est un plaisir de les accueillir. Ce matin, j'ai dit une anecdote concernant Rachel. Et ce soir, j'aimerais dire une anecdote concernant Eric. Eric, s'il fallait le comparer à un animal, on dirait que c'est un labrador. Mais c'est un labrador qui court, parce qu'il court régulièrement et oui. Il se maintient comme un labrador qui court. Alors voilà, bienvenue. Merci. Soyez bénis dans ce message et que le Seigneur ouvre nos cœurs aussi ce soir. Merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un vrai privilège pour moi d'être ici avec vous ce soir. C'est la première fois avec Rachel que l'on a... C'est pas la première fois qu'on vient en Suisse. Je suis venu en Suisse la première fois, j'avais 11 ans. Donc ça fait quelques décennies de cela. Mais c'est la première fois que l'on vient en tant que serviteur de Dieu pour travailler au milieu de vous. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Alors, merci pour votre accueil. On repartira aux États-Unis en leur disant que la Suisse, c'est extraordinaire. On vit au Colorado, donc c'est un pays de montagne comme vous. Et il y a même des promoteurs immobiliers qui, quand ils construisent des stations de ski au Colorado, ils essaient de reconstruire comme des chalets suisses. Donc ils demandent à des architectes suisses de venir leur faire des chalets pour eux, parce qu'ils estiment que c'est le nec plus ultra. Vous voyez la renommée que vous avez. Mais je ne sais pas si vous avez vu le petit pendentif que ma femme a autour de son cou. Vous pouvez regarder hein, autour, quand vous la verrez tout à l'heure. Elle a un pendentif qui est une croix huguenote. Est-ce que vous savez ce que c'est que les huguenots? Ou qui étaient les huguenots? C'était des Français qui, il y a 500 ans, donc ça fait quelques années derrière,
avaient été persécutés par un roi de France pour leur foi. Et ma femme est de descendance huguenote, donc elle a même eu une aïeule qui, il y a plus de 500 ans, avait, à cause de sa foi, perdu la vie sur un bûcher autour de Nîmes, parce qu'elle était restée dans la foi jusqu'au bout. Mes ancêtres à moi, c'était plutôt ceux qui allumaient le bûcher sous ses pieds. Mais là où je voulais aller avec ça, c'est qu'en fait, vous m'avez surpris dans le Jura bernois pour plusieurs raisons depuis que je suis ici. Vous m'avez surpris par le pourcentage de chrétiens qu'il y a au milieu de vous. Vous avez des villages qui ne sont pas très grands et les églises sont pleines. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Puis je voudrais vous rappeler votre héritage, parce que je parle des Huguenots pour cette raison. C'est vous qui avez été une terre de refuge pour les Huguenots. Et s'il y en a peut-être qui l'ont oublié, peut-être que les plus jeunes ne savent même pas ce dont je suis en train de parler. En fait, la Suisse est un petit pays sur l'échelle de la planisphère, comme Israël d'ailleurs, hein, c'est un tout petit pays aussi. Hein. Mais est-ce qu'Israël n'est pas un pays important ? Est-ce que vous croyez que la Suisse est un pays important dans le cœur de Dieu ? Est-ce que vous croyez que la Suisse a eu une vocation pour le royaume de Dieu sur cette terre ? Parce que Dieu se plaît à faire de grandes choses avec les petits pays. Bien, votre pays, à un moment donné, a hébergé des gens pour leur foi. Et je crois que la Suisse a toujours cette vocation. Et vous avez entendu parler aussi que nous avons été missionnaires au Laos, qui est un pays d'Asie du Sud-Est, un pays qui a un régime communiste très sévère. Je voudrais que vous sachiez, parce que peut-être que vous ne le savez pas, que dans sa vaste majorité, les premières personnes qui ont amené le plein évangile au Laos, devinez d'où ils venaient. Allez. Eh bien, ils étaient Suisses. Il y avait une Marie Dufour, il y avait le couple Comtesse, il y en a eu plein d'autres, et il y en a encore aujourd'hui. Et en soutenant ce que vous avez soutenu tout à l'heure pour les pasteurs, vous soutenez aussi des missionnaires suisses qui aujourd'hui encore sont dans ce magnifique pays et qui aujourd'hui encore continuent de faire ce travail pour le royaume de Dieu. Alors si vous aviez l'occasion ce soir d'être un peu fier de vous-même, je vous en donne la permission, c'est pas un péché d'orgueil, parce qu'il y a une vraie vocation de l'Éternel sur votre nation. Amen. Est-ce que vous croyez que ça passe aussi par vous ? Ou c'est juste d'autres qui sont partis ? Une fois, j'étais un pasteur dans une église, un mardi soir, je priais pour la mission, je disais « Seigneur, envoie quelqu'un au Laos, on n'a pas de missionnaire là-bas, envoie quelqu'un !» Vous savez que c'est dangereux ce que vous avez fait ce soir ? Vous êtes venus adorer et louer Dieu avec une magnifique louange, un magnifique groupe de musiciens extraordinaires, mais vous êtes surtout venus rencontrer l'Éternel qui est vivant. Et le soir où moi j'ai prié cela, j'avais la foi pour que Dieu envoie quelqu'un. Vraiment, je l'avais. Mais je n'avais juste pas compris que c'était pour moi que je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit « Et si c'était toi ?» Et là, dans ma foi de pasteur, j'ai dit « Non Seigneur, ce n'est pas possible, tu t'es trompé. » Et peut-être qu'en ce moment, il y en a qui se disent « Mais c'est pas possible, ça c'est son histoire, mais en fait, pour moi, c'est pas possible. S'il connaissait mes circonstances, il saurait que ce n'est pas possible. » J'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, ça peut être le jour de la victoire de Dieu dans votre vie. Par rapport à de longs combats, par rapport à de longues saisons de sécheresse, peut-être, et si ce soir, c'était ce temps-là, c'était un temps comme ça pendant lequel Dieu veut vous rencontrer, pour briser le cycle des défaites. Et si ce soir, c'était un jour où justement le Saint-Esprit t'attend pour que tu prennes la fameuse décision que tu dois prendre depuis tellement longtemps et qu'il met comme un poids sur ton cœur et que tu n'as pas encore prise. En introduction, avant de prendre le vrai texte sur lequel je voudrais méditer avec vous, je voudrais simplement vous relire Jérémie 29, les versets 11 à 14. Le problème, c'est que vous les connaissez par cœur, peut-être comme moi. Je vais quand même les lire pour être sûr de ne pas me tromper. Et quand on connaît trop bien un verset, après, il ne nous parle plus. Mais je vais vous les lire. Et c'est l'Éternel qui parle. Il parle à Israël, mais il ne parle pas qu'à Israël. Il dit « Voilà, car je connais bien les projets que j'ai formés en votre faveur, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous reviendrez ici. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous m'aurez recherché. Comment ? De tout votre cœur. » Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça ? Et si vous mettiez, au lieu des vous, si vous mettiez votre prénom, je me laisserai trouver par toi, Sylvie, je me laisserai trouver par toi, Pierre, et si tu me cherches de tout ton cœur, je suis là pour toi ce soir.
afin que ce jour, cette soirée, fasse une différence, fasse un avant et un après. Peut-être qu'il y en a en ce moment qui se sentent comme en exil, comme dans le texte, qui ont en exil par rapport à leurs rêves, en exil par rapport à la vie qu'ils auraient souhaité avoir, en exil par rapport à des rêves qui semblent être en déshérence, par rapport à des souffrances qui semblent ne pas pouvoir partir, par rapport à des deuils sur vous-même ou bien des deuils tout court. Et il vous semble que ces promesses de Dieu, elles sont peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Mais j'aimerais bien aller chercher ça ce soir avec vous. J'aimerais bien, si vous me l'autorisez, à mettre mon doigt là où c'est douloureux. Pas pour vous faire mal, mais pour vous dire, et si c'était le désir de Dieu de mettre sa main là et de guérir cet endroit-là précisément dans votre vie. Et si c'était possible que ce soir, Dieu n'ait pas renoncé à ses rêves pour toi et qu'il ait la possibilité de te ramener sur le sentier qui mène vers lui et qui mène à ses projets dans ta vie. C'est possible que je sois le seul à y croire ou que quelqu'un y croit avec moi. Parce que si Dieu est Dieu et il est vivant, je crois qu'il n'a pas cessé d'avoir un projet pour toi, il n'a pas cessé d'avoir un projet pour votre famille, il n'a pas cessé d'avoir des projets pour le Jura bernois, il n'a pas cessé d'avoir des projets pour la Suisse. Quelles que soient les situations politiques ou autres dans lesquelles vous vous situez, la Suisse a toujours cette vocation parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et moi, je ne suis pas suisse, mais vous l'êtes. Et c'est à vous que Dieu s'adresse. Et c'est sur vous que Dieu a mis une vocation. Et cette vocation, elle n'est pas du passé. Cette vocation, elle est maintenant en 2020 et pour les années qui viennent. Et elle est sur votre cœur. Alors, je voudrais vous parler d'un homme très simple. Son nom, c'est Shama. Il y en a peut-être qui le connaissent, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un homme très simple et en fait, il n'a que deux versets dans la Bible qui le concernent. Vous direz, mais c'est un tout petit personnage. Pour moi, c'est un de mes personnages préférés de la Bible. Il n'y a que deux versets, mais c'est déjà pas mal quand on a deux versets sur soi dans la Bible, non ? C'est déjà mieux que rien, hein ? Alors, avant de vous lire le texte, je voudrais vous parler du contexte. On est à la fin de la vie du roi David, et David est en train de réfléchir à son testament spirituel. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais laisser à mon fils, le roi Salomon, et puis à mon peuple ? Qu'est-ce que je vais laisser qui parlera de moi et qui montrera un exemple pour les générations qui viennent ? Peut-être que certains sont concernés aujourd'hui en se disant « Mais finalement, quel sera mon héritage ?» Pas l'héritage financier, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants qu'ils se souviendront de moi ? Et peut-être que d'autres se disent « Mais moi, alors là, je suis bien trop jeune pour ça. » Alors là, mon vieux, peut-être dans 50 ans, j'y penserai, mais pas maintenant. J'aimerais vous dire qu'en fait, c'est tes décisions maintenant qui vont définir la vie que tu vas avoir demain et après-demain et qui, au final, détermineront ton héritage. Quelqu'un m'a dit un jour « Les routes de demain mènent à la ville de jamais. » Et en fait, c'est vrai. Quand on se dit, oh, demain je le ferai, demain j'aurai le temps, demain je serai plus vieux, demain j'aurai... En fait, c'est le meilleur moyen de ne jamais le faire. Et c'est ce soir, quel que soit ton âge, même si tu as moins de 20 ans, même si tu as moins de 15 ans, c'est ce soir, maintenant dans ce lieu, puisque tu y es, que Dieu s'adresse à toi et qu'il te dit, et qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Et qu'est-ce que tu voudrais laisser comme trace après toi? Alors David va parler de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'il va parler de ses soldats. Et là, on se dirait, mais pourquoi il parle de ses soldats? Pourquoi il ne parle pas de quelque chose de plus grand? En fait, David avait connu des moments extrêmement difficiles, et quand il était pourchassé et rejeté par tout le monde, il avait un groupe d'hommes qui sont restés avec lui. C'était quelques soldats qui étaient les plus proches de lui, et dans l'adversité, dans la difficulté, c'est là que Dieu a forgé la personnalité de David. Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous êtes dans des moments difficiles en ce moment dans votre vie, que vous dites, mais c'est pas maintenant que Dieu me parle, ou je me sens tellement abandonné par lui, j'entends pas sa voix. J'aimerais vous dire, et si c'était précisément maintenant que Dieu était en train de forger votre personnalité? Il y a quelques années en arrière, j'ai vécu ce que je souhaite à personne, j'ai vécu un cancer, et puis une méningite, et tout ça en 2 ans de temps. Et c'est aujourd'hui, je peux le dire, si je n'étais pas passé par ces moments d'adversité, je ne serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est dans ces moments-là que Dieu a forgé, dans la difficulté, dans l'adversité, qui je suis aujourd'hui. Et si Dieu était capable de faire naître la vie des moments difficiles que tu traverses en ce moment? Et si ce n'était pas un désert de mort, mais un endroit de vie où Dieu veut faire jaillir des sources dans ton cœur? Alors, il y avait plusieurs soldats auxquels David tenait. Il y en avait particulièrement 3. Ils s'appelaient Josheb, Éléazar, Shama. Ils étaient les chefs de 30 hommes d'exception et à la tête de toute l'armée. Pourquoi est-ce que c'était des hommes d'exception? Parce que, à un moment donné, Dieu avait dit à Israël, « Je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et s'ils veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. »
Et si je transformais, je twistais un petit peu le verset, ma femme a horreur que je fasse ça. Si je lui dis, et si l'appel qu'il y avait sur vos pères en Suisse n'avait pas changé? Et si Dieu permettait parfois des épreuves pour voir si votre cœur est comme le cœur de vos pères avant vous et que vous tenez toujours bon le cap qu'il vous a placé, qu'il a placé sur votre nation, le cap de le servir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et d'être des soldats de l'Éternel. En tout cas, David savait que ces soldats-là avaient fait changer la mentalité de tout un peuple. Et c'est pour ça qu'il veut les laisser en héritage à son fils et au reste du peuple. Parce qu'il y a eu une époque où Israël était vaincu par ses ennemis, par les Philistins, et en fait, ils s'étaient arrêtés dans la conquête, et ils avaient perdu l'état d'esprit qu'il y avait au temps de Josué. Alors le premier roi Saül, ça avait un petit peu amélioré les choses, mais ce n'était pas encore ça. Et puis après, vous savez, il y aura le roi David, et les choses vont être complètement transformées, et le peuple d'Israël va reprendre la conquête, va conquérir tout ce qu'il y avait à conquérir, et va devenir vraiment ce peuple qui va guider les nations vers l'Éternel. Et le texte que l'on a se passe sans aucun doute sous le règne de Saül, avant que David ne devienne roi. Et d'où vient la différence ? Entre ce moment où ils étaient vaincus, puis le moment où ils vont vaincre à nouveau, eh bien, il se passe dans mon petit texte de deux versets. On y va, on le lit ? Allez, on y va. Dans 2 Samuel, chapitre 23, les versets 11 et 12. Après lui venait Shamma, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shamma se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Amen. Et c'est tout. C'est tout ce que l'on sait de Shamma. Mais en même temps, c'est tout parce que c'est extraordinaire. En fait, Shamma, il avait toute une période de sa vie où il ignorait qui il était vraiment. Et puis, à un moment donné, quelque chose s'est passé en lui et il a découvert le véritable Shamma que Dieu avait placé dans son cœur. Et c'est cette dichotomie, ces deux parties que je voudrais analyser avec vous comme les deux parties de ce que je vais vous partager ce soir. Son nom avait un double sens, Shamma. Le sens de son nom, c'était sujet d'étonnement. Mais il avait un sens négatif et un sens positif. Et le sens négatif, selon certains exégètes, c'est-à-dire les gens qui étudient la Bible, ça voulait dire sujet d'étonnement dans le sens dévastation, horreur, épouvante, solitude, destruction, ruine, ravagée, horrible et désertique. Vous aimeriez avoir des parents qui vous aient appelé comme ça ? À chaque fois qu'ils vous appellent, vous avez toute cette litanie de détresse qui vient. C'est comme si quand il était venu au monde, ses parents étaient dans cette situation de détresse, étaient dans cette situation de désespoir. Peut-être qu'ils n'avaient plus d'argent, qu'ils n'avaient plus rien à manger, et en plus un enfant venait au monde. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui donner ses noms, parce que c'était vraiment la situation de cœur dans laquelle ils se trouvaient avec cet enfant. Et peut-être que certains d'entre vous, vous dites, mais en fait ça a été un peu la situation de ma famille depuis un bout de temps ça. On ne voit pas vraiment la sortie du tunnel, on ne voit pas vraiment comment Dieu pourrait intervenir. Je voudrais simplement que vous me laissiez vous parler de Shamma un petit peu plus. Shamma, fils d'Agé. En fait, il apparaît à ce moment-là dans la Bible, et puis on n'en parlera plus vraiment après. On ne sait pas quelle est cette famille, fils d'Agé, on ne sait pas qui était son père. Je pense que c'est une famille qui ne se distingue d'aucune autre famille, comme la plupart d'entre nous. Nous sommes une famille parmi d'autres, mais c'est déjà très beau. Moi, je m'appelle Dufour, je sais que vous avez eu un général dans votre histoire qui avait mon nom de famille aussi. Il a joué un rôle important pour vous dans l'histoire de la Confédération helvétique, il me semble aussi. Hein. C'est un nom intéressant à porter, mais les Dufour, c'est comme la mauvaise herbe, il y en a partout. Donc en fait, ce n'était pas de ma famille à moi, tout du moins pas autant que je sache. C'était une famille normale, le fils d'Agé. Ce qu'on sait, c'est qu'il était originaire d'Arar. Ça veut dire que c'était un homme des montagnes ou des collines. Ah, ça m'intéresse par rapport à la Suisse. C'était un homme comme vous. C'était un homme qui était né sur les hauteurs, qui était un homme de collines et de montagnes. Et on ne sait pas exactement lesquels, et ça aura un détail qui aura de l'importance plus tard, et je vous le dirai. On sait qu'il y avait un contexte, on sait que les Philistins étaient établis dans la ville de Léchi, qui est une ville qui était à l'ouest de Juda, et c'était un lieu important pour les Philistins et pour les Israéliens, pour plusieurs raisons. Et en fait, il y avait une vallée à cet endroit-là qui s'appelait Padamim, c'est-à-dire la vallée de sang. Et vous pouvez imaginer pourquoi, en fait, parce que c'était un territoire qui avait été donné par Dieu en héritage à la tribu de Juda, mais en fait qui avait constamment été contesté. Constamment. Samson,
Il avait vaincu 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Vous vous rappelez de cet exemple-là ? Avec une mâchoire d'âne, il avait vaincu 1000 ennemis. Et certains pensent que c'est là aussi où David, quelques années peut-être avant, avait vaincu Goliath. Mais c'est étonnant parce que deux grandes victoires, et pourtant ce sont des victoires qui n'ont pas duré. Parce qu'ils ont reperdu le terrain juste après, quelques temps après. Vous en avez des endroits comme ça dans votre vie, vous avez l'impression qu'il y a un va-et-vient constamment. Vous gagnez, puis vous reperdez. Vous faites un pas en avant, puis vous en faites trois en arrière. Vous avez des domaines comme ça dans votre vie où il semble que le combat ne doive jamais s'arrêter. Pourtant, Dieu vous a fait des promesses et vous essayez le mieux que vous pouvez et puis il y a un retour en arrière. Puis il semble que ça ne va jamais s'arrêter. Seigneur, je le crois par la foi. Et puis en fait, la réalité, c'est que je vois que je suis encore dans les mêmes problèmes. C'est comme si ce va-et-vient ne devait jamais cesser. Comme si ce territoire ne pouvait pas être conquis. Comme s'il y avait un cercle vicieux, une impasse. Si vous avez des terrains comme ça dans votre vie, je voudrais vous dire que le message de Shammah, il est pour vous. Parce que ce n'est pas le désir de Dieu que tu restes dans une situation de défaite permanente et de cercle vicieux qui te ramène constamment à douter. Est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Est-ce que Dieu veut vraiment me délivrer? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que j'y crois pour ma voisine, hein, c'est sûr, hein, il l'a béni. Mais moi, je ne suis pas sûr des fois, parce que je prie, puis j'ai l'impression que ça recule. Plus je prie, pire ça devient. Ça vous est jamais arrivé ou ça m'est juste arrivé à moi? Parce que moi, ça m'est arrivé, ça. Ensuite, on apprend un truc qui semble, mais alors, n'avoir aucune importance. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Alors là, vraiment, vous avez des meilleurs fromages que de lentilles, je pense, ici, je ne sais pas. Vous avez des lentilles, ici? Oui? Intéressant. Est-ce que vous croyez que dans la Bible, il y a des détails qui n'ont pas d'importance? On ne s'en fiche pas, en fait, des lentilles. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les lentilles, c'est ce qu'on appelle la viande du pauvre. Et à ce moment-là, Israël était dans une immense détresse. Et les lentilles, en fait, elles ont des qualités nutritives exceptionnelles. Elles sont plus riches en albumine que les œufs et la viande. Et en fait, c'est pour ça qu'elles s'appellent la viande du pauvre, parce que dans des temps de disette, comme de guerre ou d'occupation, c'était l'une des nourritures les plus riches qu'on pouvait offrir au peuple. Donc c'était un champ qui était d'une immense importance et qui représentait beaucoup pour un peuple persécuté. Et vous savez quoi? Et ça je le dis pour la Suisse, les meilleures variétés de lentilles poussent en altitude. Donc c'est sûr que vous en avez des très bonnes ici. Ce sont des richesses. Le problème c'est qu'Israël, à ce moment-là, ne savait plus quelles étaient ses richesses. Et Israël avait oublié les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Est-ce que c'est possible que par moments, j'ai tellement reçu que je banalise ce que j'ai reçu, voire même parfois que je puisse le mépriser comme si c'était rien? Est-ce que c'est possible que je me sois habitué tellement à la bénédiction que je n'ai même plus de reconnaissance pour ce qui m'entoure? Une fois, je parlais avec un ami qui est directeur d'une grande agence missionnaire et ses bureaux sont adossés à une magnifique montagne qui s'appelle Pikes Peak, à Colorado Springs, au Colorado. Et puis, il tournait le dos aux vitres et puis moi, j'étais assis face à lui. Et à un moment donné, je vois à la hauteur des vitres un vol d'oies sauvages qui passe, parce qu'on en a beaucoup au Colorado. Et je lui dis « Arrête !» Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Retourne-toi, regarde !» Sur le fond de montagne enneigée, il y avait ce vol d'oies sauvages. Il les regarde, il se retourne vers moi, il me dit « Oh ouais, je vois ça tous les jours. » J'étais... Je dis « Quoi ? Tu peux pas dire ça ! Tu peux pas dire ça ! Vos montagnes, elles sont magnifiques ici, elles sont échancrées, elles sont vraiment superbes. Il y en a plein de très belles, le Mont Cervin et d'autres, c'est pas ici exactement, mais il y en a plein de belles. Est-ce que vous avez l'habitude de rendre grâce à Dieu chaque fois que vous trouvez quelque chose de beau autour de vous? Chaque fois que vous voyez votre conjoint le matin en vous levant, même s'il n'y a pas le brushing encore, est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour votre conjoint? Pour vos parents, pour vos enfants, même s'ils vous saoulent les enfants, parce qu'ils vous mettent en retard le matin, parce que les ados c'est irréveillable. Quand ils ont moins de 10 ans, à 5 heures du matin, ils sont réveillés. Quand ils en ont 15, c'est comme s'ils étaient morts. Il faut les tirer du lit. Vous en avez des comme ça ou... Mais est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour eux? C'est une clé, la reconnaissance. C'est une clé. C'est votre terre. Ce sont vos promesses. Et Dieu veut que vous les regardiez comme telles. Dans le verset 11, il est écrit « Le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ils se replient. Ils ont oublié qui ils sont, qu'ils sont les propriétaires de l'endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de s'approprier les promesses que leur père avait conquises pour eux.
Ils se sont éloignés de l'Éternel en oubliant ses promesses. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai un fil conducteur que je n'avais pas préparé. Mais j'ai le sentiment, et l'avenir dira si c'est prophétique ou pas, qu'il y a des promesses que Dieu a faites à votre nation et qui reposent sur vos épaules, sur vos cœurs ce soir. Et j'espère que vous les ressentez, que vous réalisez que Dieu ne s'est repenti ni de ses dons, ni de son appel sur ses promesses pour vous, et pour vous précisément. Pour vous, peut-être petites églises, ou peut-être petits villages, mais qui sont tellement précieux aux yeux de Dieu, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Alors ils se replient. Est-ce que la fuite, c'était la meilleure option, la seule option? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le meilleur moyen de perdre un combat, c'est de le fuir. Si vous ne le livrez pas, vous êtes sûr d'une chose, vous le perdrez. Et vous pourrez, nous pouvons toujours blâmer l'Éternel après pour dire « tu ne m'as pas secouru ». Oui, mais tu étais dans la mauvaise direction. Est-ce que c'était risqué? C'est vrai. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas le droit de se forger des armes. Et sans armes, en fait, il ne pouvait pas partir au combat. Et ça me parle de quelque chose. Vous savez quelle est l'arme principale pour nous? C'est l'épée de l'esprit. Et on ne peut pas aller au combat sans connaître la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on ne connaît pas les promesses de Dieu, qu'on les ignore, on ne peut pas les saisir pour les utiliser et fendre le territoire de l'adversaire et attaquer l'adversaire de nos âmes. On a besoin d'avoir l'épée de l'esprit avec nous. On a besoin de connaître la parole. Alors la conséquence, c'est qu'en fait, et retenez bien ceci, les Israéliens ont été les premiers à piétiner le champ de lentilles avant même que les Philistins ne le fassent après eux. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fait, on ne perd que les bénédictions qu'on a soi-même oubliées, méprisées et piétinées. Et des fois, en fait, le diable, il n'a même pas besoin de faire grand-chose. C'est nous qui le faisons presque sans son aide. Peut-être qu'il y a des terrains dans ta vie que tu as abandonnés. Le Seigneur te dit « je voudrais que tu les reconsidères ». Parce que tu les as peut-être abandonnés trop rapidement ou dans de mauvaises circonstances. Et si tu les reconsidérais, parce que les Philistins chassaient les Israéliens des promesses de Dieu. Ils détruisaient leurs espoirs, ils dérobaient leurs droits et leur héritage. Et en faisant ça, ils insultaient l'Éternel qui avait fait les promesses à Israël. Et la conséquence, c'est qu'il y avait un esprit de peur, de fatalisme. Il y avait une contagion dans la défaite. Tout le monde avait peur, tout le monde courait dans le mauvais sens. Et sans aucun doute qu'ils disaient « mais Dieu nous a abandonnés, ces miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Samson avec sa mâchoire d'âne, tout ça, c'était des balivernes de nos grands-parents. Mais on ne le voit plus, ça n'existe plus. » Vous avez déjà entendu ce genre de discours? Ah mais l'Église, elle n'a plus de force. Avant, la réforme, tout ça, c'était bien beau, mais c'était il y a tellement de siècles. Aujourd'hui, on est trop petit, on n'a plus assez de force. Qui on est sur la scène internationale? Mais on n'a pas assez de ceci, trop de cela. Et en fait, on peut avoir exactement le même discours. Et après, c'est un cercle vicieux de désespoir, de deuil, et on perd les promesses, on les perd de vue. Et c'est un terrain fertile pour toutes sortes de mensonges dans notre esprit, et le diable construit des forteresses d'impossibilité en nous. Et des fois, quand on entend une promesse, on se dit « mais c'est même pas la peine que j'y pense, c'est pas possible. » Parce qu'on a des forteresses qui nous font croire que l'ennemi est invincible. Et je voudrais simplement que ce soir, vous réalisiez que c'est faux. Le diable n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Il n'est pas l'équivalent de Dieu en négatif. Le diable est infiniment moins puissant que l'Éternel qui est notre Dieu. Infiniment moins puissant que Christ qui a vaincu l'ennemi avec l'œuvre de la croix. Alors ne prêtons pas une main d'association à l'adversaire pour nous voler, nous piller ce qui est à nous, nous prendre notre joie et nous faire vivre une vie misérable. Aujourd'hui, possiblement, eh bien, il faut faire à l'inverse d'Israël quelque chose, un effort de mémoire. Rappelons-nous de qui nous sommes. Rappelons-nous des promesses que Dieu a faites à ce pays. Ils étaient dans le pays physiquement, mais ils ne vivaient pas les promesses parce qu'ils étaient aveuglés par des mensonges. Alors, est-ce que ça peut être votre situation aujourd'hui? Je ne sais pas. Je suis complètement tranquille pour vous prêcher ce message parce que je ne vous connais pas. Et puis, Dieu voulant, à moins que vous me lynchiez avant, mais je repars mardi matin. Donc, en fait, je vous le laisse en héritage. Je vous le laisse comme quelque chose à réfléchir devant le Saint-Esprit. Quelle réaction Dieu attend-il de nous? On la trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. On passe dans l'autre partie du nom de Shama. On y va? Sujet d'étonnement, c'était son nom.
voulait aussi dire celui qui a tout surmonté et celui qui tient ferme. Amen à cela. Tout surmonté, pas un chouïa, pas un petit peu, pas la moitié, tout. Shamma se posta au milieu du champ et le protégea. À quoi ça va servir, Shamma, que tu combattes? C'est pas rationnel. Et Shamma, attends. Il y aura un autre jour avec une bataille mieux engagée que celle-ci. Arrête, sacrifie pas ta vie pour rien. Tu auras une autre occasion ailleurs. Tu laisses tomber, là tout de suite ça va pas marcher. Vous la connaissez cette petite voix qui vous encourage? Non, là ce soir c'est pas possible. Lui, bon, il sait pas, il connaît pas, c'est un Français, il vit pas ici. Il peut pas savoir de quoi il parle. Mais une autre fois, oui peut-être, il y aura une meilleure occasion. Est-ce que Shamma était suicidaire? Non. Est-ce qu'il était fou? Non. Mais oui, un peu quand même. Parce qu'il y a des moments, quand Dieu nous demande de faire un pas de foi, de l'extérieur, ça peut ressembler à de la folie. Quand le Seigneur nous a dit avec Rachel, avec nos 5 petits qui étaient entre 0 et 6 ans, « Partez tout et partez vivre au Laos », dire oui, ça ressemblait un peu à de la folie. Quand quelques années, 8 ans après, il nous a dit « Quittez tout et partez vivre avec vos 5 adolescents aux États-Unis », alors qu'on n'avait pas le premier dollar en poche, ça ressemblait à de la folie. Mais pourtant, c'était lui. Mais quand on fait le premier pas, Dieu va faire tout le reste et il va pourvoir au fur et à mesure où vous allez avancer. Parce que la marche par la foi, ce n'est pas une marche par la vue, c'est une marche en prenant des risques. Et en ne sachant pas comment Dieu fera, mais en croyant que s'il l'a dit, s'il l'a promis, il le réalisera. Alors, Shamma, il n'a pas cherché à protéger les autres, il a juste cherché à protéger le champ de lentilles. Et c'est tout. Et en fait, pourquoi? Pourquoi protéger ce champ? Bien parce que c'est le champ, il est là. Au moment où il réalise ce qu'il est en train de réaliser, le champ, il est là. Et aujourd'hui, c'est une occasion aussi valable que n'importe quelle autre pour toi et pour ta vie. Et à vrai dire, en fait, c'est le seul moment que tu puisses contrôler. C'est ton temps présent, maintenant. Demain ne t'appartient pas. Et nous ne savons jamais s'il y aura une meilleure occasion demain qui se présentera. C'est maintenant que Dieu te dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où je peux te secourir et je veux te secourir. Pourquoi devrais-tu attendre demain? Si quelqu'un était en prison et qu'on lui dise « Demain, tu sors », il dit « Oh ben non. Non, je préférerais en fait dans une semaine. Je le sentirais mieux, j'ai le temps de m'y préparer. » Si le médecin vous appelle « J'ai un médicament pour ta maladie, il vient de sortir, je l'ai, tu viens tout de suite ?» Oh non. Non, je vais rester encore dans ma souffrance un petit peu. Ça aurait du sens pour vous? C'est ce soir que le Seigneur nous dit « En fait, c'est maintenant la bonne occasion. » Shamma, peut-être que c'était un paysan lui aussi, et qu'en fait il connaissait, peut-être qu'il venait des montagnes, c'est sûr, peut-être qu'il connaissait la valeur du champ de lentilles, peut-être qu'il en avait des similaires chez lui, ou, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, peut-être que c'était son champ à lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait partie des promesses de Dieu pour son peuple et pour sa vie, et c'était sa terre. Et il s'est dit, c'est ma terre, ce sont mes promesses. Et peut-être qu'il s'est souvenu d'un autre plat de lentilles à un moment donné dans l'histoire d'Israël. Vous voyez celui auquel je pense? Il y avait deux frangins, un qui avait très très faim, qui s'appelait Ésaü, l'autre beaucoup moins fin, mais beaucoup plus rusé, qui lui a dit « T'as vraiment faim? Alors tu veux les lentilles? Tu les veux là? Alors donne-moi ton droit d'aînesse et tu les auras. » Et cet homme-là a vendu toutes les promesses de Dieu pour sa vie, pour un plat de lentilles. Et quand il a pleuré pour les retrouver, il n'a pas pu les retrouver, c'était trop tard, il avait loupé l'occasion de ce jour. Et même en pleurant, il n'a pas pu les récupérer. Shamma, il s'est dit, ce ne sera pas pour moi, et je refuse de tourner le dos maintenant à mes problèmes et à mes adversaires. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais affronter mes adversaires, je vais affronter mes problèmes. Je vais les regarder en face avec l'aide de Dieu. Honnêtement, humainement parlant, combien il avait de chances de perdre sa vie? Approximativement 99,9%. Soyons raisonnables, si on calcule bien, il y avait, lui tout seul ne pouvait pas arriver à vaincre une armée conquérante en plein élan et que rien ne semblait pouvoir arrêter. Est-ce qu'il a eu peur? Sans aucun doute. Est-ce qu'il a douté? Sans aucun doute. Est-ce que quand on fait un pas pour Dieu, on a peur et on doute? Bien sûr que oui. C'est ça la foi, c'est d'aller au-delà de nos peurs et de nos doutes, pas de ne pas en avoir. Si tu attends pour démarrer de ne jamais avoir peur et de ne jamais avoir de doute, je vais te donner une révélation, tu ne démarreras jamais. Jamais, c'est impossible. Si vous savez le nombre de fois où on a eu la pétoche, ma femme et moi, à cause de nos choix et qu'on se réveillait en pleine nuit en sueur, en se disant « mais qu'est-ce qu'on a fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants ?» Mais Dieu était là pour nous réconforter. Il va prendre une position de foi, il va choisir de combattre, et je vais citer le verset préféré de ma femme,
qui parle de Shadrach, Meshach et Abednego, qui un jour, c'était les amis de Daniel, le prophète, ils ont dit au roi, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Vous êtes des membres de l'armée de l'Éternel, vous avez été taillés pour la conquête et non pour la défense, non pour se cacher dans les rochers, non pour se retirer du monde en attendant le retour de Jésus. Ce n'est pas pour ça que vous avez été mis sur cette terre. Vous avez été mis sur cette terre pour piller le royaume des ténèbres et pour faire avancer le royaume de Dieu là où vous êtes et bien au-delà d'où vous êtes. Amen. L'Éternel avait dit à Josué, « Un seul parmi vous en poursuivez mille, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. » Et je suis sûr que ces mots-là ont résonné dans la tête de Shammah. Et il s'est dit, « Aujourd'hui, c'est le jour où j'arrête de fuir de défaite en défaite. Je ne tourne plus le dos à mes péchés, je ne tourne plus le dos aux accusations, je ne veux plus vivre vaincu. Aujourd'hui, si je dois mourir, je mourrai les armes à la main, mais en faisant face et en étant dans la bonne direction. » Et c'est exactement ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, les yeux fixés sur les promesses de Dieu, pas en les piétinant, mais en étant prêt à les défendre. Et il fait face, et par la foi il avance, il a changé de mentalité. Au début, il courait comme tout le monde, et d'un seul coup, il s'est souvenu des promesses de Dieu, les pieds dans les lentilles. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il a fait demi-tour, il s'est dit, c'est là que je m'arrête. Je ne laisserai plus de terrain à l'adversaire dans ma vie, c'est fini et il va combattre. Et nous, on sait la fin de l'histoire, lui ne la savait pas. Et la Bible nous dit, il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Est-ce qu'il s'est battu tout seul? C'est possible. Des fois, on se sent très seul quand on est pionnier de quelque chose. Mais vous voulez savoir quoi? Si Dieu est de votre côté, vous êtes dans la majorité. Même si vous êtes tout seul. Et Dieu combattra à vos côtés. Et peut-être que Shammah était seul, mais en tout cas, Dieu a combattu avec lui et lui a donné la victoire. Ou peut-être qu'il est resté seul un tout petit peu au démarrage, et puis après, d'autres ont dû se dire, « Hé, frangin, regarde Shammah ce qu'il est en train de faire. » Et non, mais on ne peut pas le laisser tout seul. On ne peut quand même pas ne pas y aller, c'est trop dur pour lui tout seul. Et peut-être qu'un deuxième soldat est venu, puis un troisième, puis cinq, puis dix, puis vingt. Et là, c'est une victoire encore plus grande parce que son exemple a entraîné une contagion positive. Et après, c'était toute une armée qui a changé de mentalité. Au lieu de la peur qui est contagieuse, c'était le sentiment de « on peut y arriver maintenant ». Ils l'ont fait à Tavannes, ils l'ont fait à, je ne sais, à n'importe quelle ville que vous voulez, celle où vous habitez. Ils l'ont fait, c'est possible, je crois qu'on peut le faire ici aussi. Vous avez envie de voir une contagion positive ? Ça s'appelle la foi. Et la foi, elle est contagieuse quand elle est mise en application. Et ils ont remporté une victoire extraordinaire, et cette victoire est venue de l'Éternel. Et Josué a dit, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. » L'Éternel l'a dit à Josué, et c'est ce qui est devenu la vérité à ce moment-là pour Shammah et les siens. J'arrive à ma conclusion. Je vais même appeler l'équipe de louanges à me rejoindre. Est-ce que vous pensez que Shammah, c'était quelqu'un d'exceptionnel au démarrage? Non. Je voudrais que vous promeniez un regard circulaire. Allez-y, faites-le autour de vous. Vous voyez des gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Vous voyez des mamans, des papas. Vous voyez des personnes célibataires. Vous voyez des personnes mariées. Il y a peut-être des veufs et des veuves. Il y a des enfants. Mais j'aimerais vous dire, ceux que vous venez de regarder sont tous autant qu'ils sont, des Shammah. Vous êtes tous des Shammah parce que vous avez tous reçu en vous un esprit de victoire, qui est l'esprit de Christ, qui est l'esprit d'adoption. Vous êtes tous des fils et des filles de l'Éternel parce qu'il a mis en vous son esprit et parce qu'il vous a donné sa victoire. Donc peut-être qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui combat un manque de salaire, peut-être quelqu'un qui combat un manque de santé, peut-être quelqu'un qui combat des choses qu'ils ne vous partageront pas parce qu'elles leur font honte ou bien elles sont difficiles. On est tous en train de livrer un combat en ce moment qu'on ne partage pas forcément avec les autres. Mais ce que l'Éternel te dit, c'est qu'il veut que, même si tu penses que tu es complètement normal et anodin, eh bien tu saches qu'il y a en toi la capacité de dire maintenant, ce soir, j'arrête.
Vous savez, on dit trop souvent, il y a des malédictions générationnelles, etc. Je voudrais vous dire ce que la Bible dit. Pour celui ou celle qui devient un homme ou une femme de foi, il y a une bénédiction sur 1000 générations. Si vous ne dites pas « Amen » là, c'est que vous n'y croyez pas. Il y a une bénédiction sur 1000 générations. Vous la voulez pour vos enfants, cette bénédiction sur 1000 générations ? Oui, alors, quand on est aux États-Unis, on voit plein de descendants de Huguenots qui sont toujours dans la foi, qui nous disent « Oui, mes ancêtres, ils sont sauvés par la Suisse, puis après ils sont arrivés aux États-Unis. » Et la foi est toujours dans leur maison. Je vais vous lire un dernier passage, qui est dans 2 Timothée. C'est Paul qui parle, et il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Cette promesse, elle est pour nous. Le désir de Dieu, c'est que vous terminiez votre vie en disant, comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé mon héritage, et maintenant, je sais ce qui m'est réservé dans la gloire. Si vous êtes d'accord avec ça, je vais inviter ceux qui sentent que Dieu les interpelle à rester, à vous lever là où vous êtes. Dire « Seigneur, maintenant je le veux pour moi aussi. Ça fait trop longtemps que j'ai tourné le dos à mes problèmes. Maintenant je veux faire face et je vais dire à l'ennemi « ça suffit maintenant, c'est fini. Je dis stop et ça s'arrête ce soir. » On va lancer le chant d'adoration et de louange. Si vous voulez que l'on prie pour vous, pourrez vous avancer, des personnes prieront pour vous. Si vous préférez rester à votre place, restez à votre place. Mais c'est aujourd'hui le moment où Dieu vous interpelle parce qu'il n'en a pas fini avec votre vie et il n'a renoncé ni à ses dons ni à son appel. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que nous sommes ici devant toi et il n'y a pas de hasard. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que c'est toi qui nous y as conduits. Je te prie pour le jeune, je te prie pour le jeune homme, la jeune fille. Je te prie pour le Seigneur et la Seigneur, ceux qui sont dans leur saison de vie où il semble qu'on ne puisse faire grand-chose, mais il y a encore tellement à faire. Je te prie pour la maman, je te prie pour le papa. Je te prie pour ceux qui ont été vaincus dans certains domaines de leur vie. Je te prie pour ceux qui luttent contre la maladie, contre des choses qui leur manquent terriblement. Je te prie pour ceux qui ont des cycles vicieux qui semblent ne pas s'arrêter. Seigneur, que ta victoire soit donnée ce soir. Qu'il soit fait selon leurs décisions. Qu'ils soient faits selon leur foi et selon tes promesses dans le nom de Jésus-Christ. Touche tes fils maintenant, touche tes filles maintenant et fais-en des chamas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.